appelle, il n'y a pas de réseau, mais insiste. C'est les gens qui lancent ton appel, il n'y a pas de réseau, mais insiste. Et à force d'insister, genre, service service, bonjour. Votre montre est disponible également pour effectuer ces décharges. Vérifiez s'il vous plaît. Non, c'est pas avec moi quand même, j'ai étudié la situation, ça n'a pas ma famille, j'ai vraiment étudié. Mais moi j'étudiais, mais il y a un cours que j'aimais beaucoup, c'était les cours de récitation et les cours de récréation. J'aimais les cours de récitation parce que quand vous appelez la récitation, j'ai vraiment beaucoup de faire la récitation à l'école, et puis bien que c'était pour les parents à la maison. Moi, c'était différent. Et pour ça, maintenant, je vous dis, et pas ici, la récitation, tu vas prendre la récitation à la maison, c'est pour le professeur. Je vois qu'à l'école, j'ai rentré à la maison. Il y a Madame qui demande, mais qu'est-ce que tu as fait, la récitation, maman. Allez, fils, récite. Récitation. Les barbeaux et les rénards, travailler et prévenir la paix. C'est les parents qui manquent les moyens. Mettre en route ces rénards de berger, tenir à son mec les parents, les bouquets. Mon père est un qui dit madame qui n'écrase pas les travaux. Tenez les grands, à notre époque, c'est l'idée. Bonjour. Oui, sérieux. Oui, donc on a certains trucs que les élèves de la maternelle de 6 ans savent, les élèves de la maternelle de 6 ans, on ne sait pas, mais ça va. Quand tu prends une élève qui étudie par exemple dans une école, on l'appelle Aurore, tu vas chez lui à la maison. À l'heure de maternelle, après 6 ans, tu lui dis bon, je n'y trouve pas l'école. Ma maîtresse a parlé avec ma mère et ma mère m'a dit de rester à la maison. Enfin, là, c'est normal. Viens chez nous. Déjà, quand mon petit frère étudie, tu écoutes, les dents, ça te fait peur. Et bien, qu'il me l'envoie des lycées, c'est mauvais. Le petit, il a 6 ans. Il est en maternelle. J'arrive à la maison, j'ai trouvé la maison, je lui demande. Samy, pourquoi t'es pas drôle? Pas plus loin des maths. Pas beaucoup de réguliers, pas plus loin des maths. Il a fourni, mais pas plus loin des maths. Sérieux, non, mais après, j'ai grandi, j'ai voulu voyager, faire le tour du monde. Mais la première fois que j'ai voulu voyager, ça n'a pas marché. Ça a marché parce que je suis allé dans une agence de voyage qu'on appelle Bipodou Aviation. C'est bizarre. Tout ça, c'est parce que je n'avais pas l'argent. Quand j'arrive à l'agence de voyage, on me donne les billets d'avion, on m'amène à l'aéroport, je regarde l'avion, je me rends compte que là-bas, il n'y a pas de... Il n'y a pas de pilote, il n'y a que des mécanopilotes. Tu vois un pilote avec comme tenue un besoin de mécanicien, un truc de roue en main et un pilote au cas où il n'y a pas de sèche céleste. Et puis dans un avion normal, quand tu rentres, tu vois les autres. Et puis les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ses équipés. Il y a une fois qui vous dit, mesdames et messieurs, nous allons décoller dans quelques secondes, bon voyage. Enfin, la partie Sia, tu entres, tu vois directement une autre mécanopilote. Il vous passe le message en sa manière. Il vous dit, bon, nous allons faire un effort pour faire décoller cet appareil. Accrochez-vous bien à vos voisins en tenant compte de vos bagages. Monsieur, tiens bien compte de tes bagages. Et après, nous allons prier, on va lui faire un décès. Il n'y a pas de personne dans l'avion. Non, mais après, j'ai quand même voyagé. J'ai quand même voyagé. Je suis allé en Angleterre. Il y avait un souci. Les musiciens commencent à savoir que vous pouvez pour qui les bras. Merci monsieur, il y a une mandala, j'ai fait ça. J'avais quand même voyagé, j'allais à Londres. J'arrive à Londres, je ne connaissais pas parler anglais. Et après, il y avait un ami qui disait, Emmanuel, quand tu arrives à Londres, tu vois, quand tu lui parles, il faut lui parler avec beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. J'arrive à Londres, j'avais besoin de la plage. Je ne connaissais pas pourquoi dire plage en anglais. Je vois une policière qui arrive, je lui parle avec amour. Hey, baby. Je lui demande en ma manière où se trouve la plage. Hey baby, you are a beach. What? Yes baby, you are very very beach. Et en plus j'avais envie de faire une grosse plage. You are a big beach. Je vous jure, deux jours après, je suis sorti de prison en arrière de Kinshasa. Sérieux. Non mais en parlant de femmes, j'ai besoin de poser. La question qui m'arrive en tête, c'est pourquoi les gens mentent au téléphone quand ils parlent dans les taxis? Et puis vous savez, la grande partie des personnes qui mentent au téléphone ont généralement trois caractéristiques. La première caractéristique, ces personnes, elles sont fières. Deuxièmement, elles parlent très mal français. Troisièmement, la plupart de ces personnes, c'est les filles. C'est normal. Oui, oui, madame. C'est... Et puis, généralement, quand ces filles parlent mal la français, il y a toujours un receveur à côté qui a convaincu par leur façon de parler français. Tu vas entendre la fille en train de dire. Ah non, j'allais dire si j'arrive déjà. Et c'est bon, il y a 20 ans de receveur. Premièrement, une personne, c'est vrai. Non, c'est pas déjà offert. Non, maman, personne ne vous vend de parler. Et puis les questions que j'ai posées. Les femmes, pourquoi c'est les escroquer? Oui, les femmes, elles vous escroquer. Mon frère, j'ai invité une fille au restaurant pour la première fois. Elle dit, elle mange, elle mange. J'avais la chance de toucher. Elle dit, il a dit, c'est pas une région. Après, je suis approché. Les gens devaient encore prendre des bons. Elle mange. On va dans la chambre, tu me dis, je suis pas léger. Attends, je vais manger pour une personne léger. Troisième jour, on va au restaurant, elle dit, madame, attends, faut pas être pressé. Quand tu veux manger, c'est que tu ne pas manger. Oh, bébé, j'ai plus la petite question, la petite, tu veux aller au foyer à pizza. C'est ça pour les fois, ils se sont dit. Et puis, vous avez pas, tu l'as dit pour très fort, j'ai pas raison. Tu viens pour la foyer, tu lui demandes, tu m'envoies. Non, rien. Les femmes, elles achètent plus les gros jus, les gâteaux, elles vont tout manger. Les dames, il faut que vous allez faire un enfant. C'est ça. Les femmes, elles aiment, c'est ça, vous êtes trop, vous êtes trop. Et puis, dans les temps passés, tu traques des filles, tu n'importe quoi, tu dis la vie d'être genre, bébé, quand je te vois pas, je mange pas.
Quand je te vois, je suis rassasié. La présence qui me fait mon ventre. Tu vas agir dans ta délire. C'est mignon. J'ai entre dans les temps passé 20 personnes, je vous l'ai foutu. En vrai, si j'ai mis à une fille, bébé, tu l'aimes tellement que je vais te trouver en saut de village. Mais qu'on fasse, c'est vrai, les manières. Les parents s'envoient de l'argent, c'est pas vous. Sérieux, les femmes, elles aiment vraiment faire vraiment le spoquer. Mais en plus, Alice, ça, les filles, elles sont flatteuses. Elles n'ont plus leur voile à bord de moi. Elles aiment leur voile à bord de l'argent, mais sérieux. Si t'as un fille, l'argent par contre, c'est 100 dollars. Ouais, t'as des gens. Allô, chérie, ça va. 100 dollars, 500 dollars. Allô, cœur. Ça va. 700 dollars, 1000 dollars. Enfin, la pile, elle peut être en dehors, il va être dans le vide, donc il va pas aller dans le vide imaginaire. Allô, mon amour, c'est la flatteuse qui me l'a. Depuis des fois, j'ai posé des questions. Il y a certaines questions que les femmes me posent, mais en fait, j'écoute ta question, je regarde la vie, c'est là où elle est, elle cherche des problèmes. Que tu peux te lever à 2h du matin, 2h, mon frère, tu dors avec une femme, si elle te réveille à 2h pour te dire, je vais te parler. Si tu tiens à ta vie et te réveilles pas, faut dormir. Moi, j'ai fait la bêtise de me réveiller à 2h du matin, on a fait 8h ensemble. Elle me dit, Emmanuel, est-ce que tu m'aimes? À 2h, est-ce que je t'aime? Oui. Je vais rentrer dans non, on n'y meurt pas. Pourquoi tu m'aimes? À 2h, tu me demandes pourquoi je t'aime? Qu'est-ce que tu fais sur mon lit? Sérieux? Et puis, il y a un truc que j'aime pas chez lui, c'est moi. Les filles, moi je peux prendre une fille comme ça, mon frère. Tu prends une fille comme ça. Vous marchez, elle voit bien qu'elle est là, c'est écrit au thème. Elle te dit rien, elle entre. Vous allez à la réception, tu paies ton argent. Elle a bien vu que tu as payé ton argent. Elle n'a rien dit. Vous entrez dans la chambre, elle a bien vu que tu es entré dans la chambre. D'ailleurs, c'est la fille qui dort en premier sur le lit. Elle n'a rien dit. Tu lui fais bisous, elle a accepté, elle a fait bisous comme toi, elle n'a rien dit. Mais quand elle s'est marquée, elle va prendre des bouts, Dieu me fait, je vais finir ta salation, c'est là qu'il commence à vous dire, chérie, je suis indisposée. C'est quoi votre problème? Et puis quand elle te dit qu'elle est indisposée, j'ai rapporté ses points les hommes. Il s'est mis à côté, il boude. Il faudrait que l'homme vous prenez la femme de l'Est. Non, elle vient avec des questions, vous des conseils, il fait, chérie, tu es fâchée. Pourquoi j'ai pas 100 dollars avec toi? Moi aussi, je suis indisposée à 100 dollars. Merci beaucoup, j'ai très besoin de vous. Je vous ai beaucoup. Merci.